what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui une recette sucrée. On va faire plaisir à nos ados, à nos loulous, aux petits et grands loulous, parce que même il n'y a pas que les ados. Enfin, moi je parle parce que j'ai des ados à la maison, mais je suis sûre que mes petits neveux adoreraient aussi ça. En fait, comme beaucoup d'enfants, mes enfants sont fans d'Oreo. Alors je sais pas pourquoi, ce petit gâteau rond, à chaque fois les enfants adorent ça. Alors du coup, j'aime bien leur concocter pour leur faire plaisir des petites recettes avec ça. Je vous ai déjà partagé une recette de brownies avec des Oreos. Là en fait on va faire des cookies. En fait l'idée m'est venue, j'aime bien aller flâner sur Pinterest comme beaucoup. Et quand je suis tombée sur cette photo, je me suis dit trop bonne idée, ça va trop plaire à mes loulous, il faut vraiment que je teste. Donc du coup j'ai adapté en fonction de ma recette, parce que voilà, avec ma recette de cookies. Le seul truc, c'est que je vais rajouter des Oreos et du chocolat blanc pour encore plus de gourmandise. Et puis je trouve que ça va bien ensemble. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est le genre de cookie où vous croquez dans un, vous devenez instantanément addictif. Vous voyez, vous avez envie d'un deuxième, d'un troisième. Donc je vous préviens, voilà, au cas où, vous le savez. Vous êtes au courant. Le mieux en fait, c'est de laisser vos loulous. Vous en mettez un ou deux de côté pour vous. Et vous laissez la boîte à vos loulous, elle va disparaître en moins de 2. Alors on y va tout de suite pour la liste des ingrédients. Donc il va nous falloir 350 g de farine. J'ai 170 g de beurre ramolli. De sucre. Alors j'ai de la cassonade. Alors moi c'est de la vergeoise, 150 g. Et 150 g de sucre blanc ordinaire. Alors le fait de mettre les deux, vous allez avoir des cookies qui vont être croustillants moelleux. En fait on va avoir le croustillant... du sucre, un peu comme quand on fait vous voyez un caramel, voilà, impossible de faire un caramel avec de la vergeoise. Par contre la vergeoise va apporter le moelleux du cookie. Donc le fait de mélanger les deux, on va avoir des cookies qui vont être croustillants et qui vont garder quand même le moelleux au centre. Voilà, petit truc. 2 œufs. Chocolat blanc, j'ai 200 g de pépites de chocolat blanc. Alors moi j'achète pas de pépites. Je prends des plaquettes que je coupe en gros crunch. Je trouve ça plus gourmand. Puis en plus ça revient moins cher. Hein. Des Oreos bien sûr. J'ai 14 biscuits. Et ici j'ai un mélange d'une demi-cuillère à café de levure chimique et une cuillère à café de bicarbonate. En fait c'est pour éviter de mettre trop de levure et que ça a un trop goût de levure. En fait si vous mettez trop de bica, vous allez avoir trop de goût de sel et de bica quoi en fait. Et si vous mettez trop de levure, vous allez avoir trop de levure. Le fait de mettre les deux, voilà, ça... Et puis la levure fait lever les biscuits, le bica les fait lever, mais sans, voilà, tout seul c'est pas... Enfin voilà, bref, mettez les deux. Et une pincée de sel, voilà. Donc on va commencer d'abord par prendre notre farine. Et on va y mettre du coup levure, bica, notre petite pincée de sel. Hop, et on mélange un petit peu et on met de côté. Alors moi je l'ai fait, la pâte à cookies, je l'ai fait au kitchen, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez la faire à la main hein, si vous le souhaitez. Et quand je l'ai fait au kitchen, j'ai bien utilisé la feuille, je trouve que ça va mieux qu'avec le fouet. Donc là on va mettre le beurre. En fait la feuille va bien pour tout ce qui est pâte un peu biscuitée, vous voyez, tout ce qui est pâte brisée, pâte sablée, les pâtes à cookies, voilà. On va mettre les sucres, donc le sucre normal et... pour moi, la vergeoise ou la cassonade. Et on y va, on mélange. Alors on mélange pendant à peu près 2 minutes pour avoir quelque chose qui soit bien crémeux. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préchauffer le four à 180. Et on va prendre une plaque à pâtisserie ou votre lèche-frite. Moi j'ai un grand four avec une grande lèche-frite. Donc je vais prendre mon lèche-frite pour pouvoir tous les faire cuire en même temps. Et on les met du papier sulfurisé dessus. Alors une fois qu'on a un mélange qui est bien crémeux, on ajoute les 2 œufs. Et notre cuillère à café de vanille. Et on va remélanger pour que ça soit bien amalgamé à l'intérieur. Et le temps que ça se mélange, on va concasser un petit peu les Oreos. Donc les 2 œufs, la cuillère à café d'arôme de vanille. Et on y va, c'est reparti. Et en attendant, je concasse les Oreos. Alors n'hésitez pas entre deux à venir racler
un peu les bords du... parce que vous voyez, il y a le sucre et le beurre qui se sont bien collés au bord du bol. Donc on donne un petit coup de maris pour bien que tout se mélange ensemble. Et pas se retrouver avec des morceaux de beurre ensuite qui sont pas mélangés dans la pâte. On remélange un petit coup. Alors une fois qu'on a une belle pâte, on va ajouter un petit peu à la fois notre farine mélangée avec notre levure, notre bica et la pincée de sel. Alors on y va à vitesse lente pour éviter d'avoir un nuage de farine dans la maison. Cookie qui s'est formé. Alors à vous de voir, soit vous incorporez les morceaux d'Oreo et les pépites de chocolat à la marise, ou soit vous mettez, alors toujours avec la feuille, délicatement, moi c'est ce que je fais souvent, pour éviter d'avoir trop de petits morceaux quoi, en fait. Je donne 2-3 petits tours avec la vitesse 1 du robot, juste pour que ça soit mélangé correctement, mais pas trop fort pour éviter d'avoir plein de petits morceaux d'Oreo de partout. Enfin, on veut garder quand même des petits morceaux en fait. Donc je mets mes morceaux d'Oreo, autrement vous le faites à la marise. Je mets mon chocolat et je vais donner, comme je vous ai dit, juste 2 petits tours vitesse 1. Enfin 2 petits tours, voilà. Vous voyez, vraiment léger. Une fois que je vois que c'est à peu près mélangé, hop, je stoppe et voilà. Comme je vous dis, si on veut vraiment... Parce que si on y va trop fort, bah, tous les morceaux d'Oreo vont se retrouver en farine, quoi, en fait. Et on aura une pâte qui va être couleur Oreo, alors qu'on veut vraiment le contraste, vous voyez, des couleurs avec le morceau d'Oreo et puis la pâte à cookies. Alors, on est passé de l'autre côté. Alors, j'ai ma plaque recouverte de papier sulfurisé. Là, du coup, on va former nos petites boules de pâte. Elle pourrait très bien se congeler si vous souhaitez. Vous pouvez faire des boules, les mettre sur une plaque, les mettre au congélateur et les sortir pour pouvoir les faire cuire à la dernière minute. Les cookies, c'est toujours meilleur. Alors, ils sont bons aussi le lendemain et le surlendemain et tout. Hein. Ça se conserve très, très bien dans une boîte hermétique pendant quelques jours, hein, si vous arrivez à les conserver. Mais ils sont meilleurs quand ils sont juste encore un petit peu tièdes, là, du jour même. Là, c'est vraiment très, très bon. Donc à vous de voir, soit vous pouvez les congeler, soit vous pouvez les faire cuire ensemble, ou vous pouvez aussi diviser la pâte par deux si vous le souhaitez. Alors moi j'aime bien quand je fais ma pâte, quand je fais mes cookies, pour les avoir tous calibrés, je fais mes boules avec une petite cuillère à glace comme ça. Alors c'est vraiment une petite, vous voyez par rapport à mon doigt, elle fait 4 cm de diamètre, c'est la taille parfaite je trouve pour un cookie. Bon après mes enfants vous diront non, il faut prendre la grosse, mais voilà, je trouve que... Donc du coup, hop, on fait des petites boules et on vient les poser. Alors on les espace parce qu'ils vont s'étaler à la cuisson. Donc là, je ne sais pas combien on va faire de cookies, mais pas mal. Hein. Alors là, j'ai déjà une plaque de 18 cookies qui est faite. Je vais déjà enfourner cela, donc 180 pendant... Entre 7 et 10 minutes, 7 et 9 minutes, enfin savoir en fonction de votre four. Il faut juste qu'ils soient légèrement dorés sur le contour, c'est tout. Donc voilà les premiers cookies. Hop! Voilà. Alors là, je vais laisser un tout petit peu refroidir, juste 2 minutes, pour pouvoir les manipuler. Puisque vous voyez, là, ils sont encore tout mous quand ils sortent du four. C'est normal. Ne les faites pas plus cuire, en fait. Hein, vous perdrez le côté moelleux et ils deviendront moins que croustillants. Là, en fait, on va avoir le croustillant autour et le centre va être moelleux. Donc, on attend 2 petites minutes et on va savoir les déposer sur une grille pour faire cuire la deuxième fournée. Voilà, vous voyez, au bout... des 2 petites minutes, même pas, on arrive facilement à les déposer délicatement du coup sur une grille pour les laisser refroidir complètement et on va pouvoir lancer la deuxième fournée. Alors je vous en montre un plus près. Vous voyez, c'est juste doré en dessous, enfin autour, ils sont encore blancs au milieu et en dessous, regardez, quand on retourne, ils sont bien, enfin ils sont cuits quoi en fait, hein, voilà, ils sont voilà, ça c'est les carrés de chocolat qu'on voit là.
Donc voilà, faut surtout pas les laisser trop cuire, comme je vous ai dit, autrement on va perdre le côté moelleux. Voilà, là, moi je vais mettre ma deuxième fournée dans le four. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais prévu les boules. Le temps que cela cuit, je fais les boules sur un plateau. Et comme ça, j'ai plus qu'à... Je perds pas de temps. Donc voilà pour la recette gourmande du jour. Je vais me sacrifier pour vous. Je vais vous montrer du coup. Alors là, il a refroidi. Alors vous voyez, on a un gâteau qui est croustillant, mais au milieu, il est tout tendre en fait. Donc sur les côtés, on a le côté croustillant. Et plus sur le milieu, c'est plus un... Trop bon. Alors avec la recette, j'ai fait à peu près 40 biscuits, cookies. Alors ça dépendra aussi de la taille de votre boule. Voilà, que vous faites vos boules. Donc voilà, je vous mets ici une petite photo du visuel. Ce sera parfait avec un petit café cet après-midi. Et je vous mets aussi le visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver en barre d'infos si vous souhaitez la télécharger. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, soit sur le coup de 18h sur la chaîne, ou soit dans une prochaine vidéo. Bye, bisous. You're my heart's desire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you.